À l'aube de ses 75 ans, Alain Chamfort a annoncé, vendredi 12 janvier, avoir pris la décision de mettre fin à sa carrière. Le chanteur sortira son 16e et ultime album baptisé L'Impermanence au printemps. Il est l'un des artistes les plus emblématiques de la scène musicale française. Manureva, Bambou, Le Temps qui court, Paradis ou encore Chasseur d'ivoire. Les tubes d'Alain Chamfort ont marqué les années 70 et 80. Au cours de sa carrière, le complice de Serge Gainsbourg aura vendu plus de 3 millions de disques. 6 ans après la sortie de son album Le Désordre des Choses, il vient de dévoiler un EP de 4 chansons baptisé Alain Chamfort produit par Sébastien Tellier. Le 22 mars prochain, Alain Chamfort dévoilera également son 16e album intitulé L'Impermanence. Il assurera par ailleurs une série de concerts dans les semaines et les mois à venir à Paris, Marseille ou encore Rouen. Alain Chamfort met un terme à sa carrière invité de RTL, vendredi 12 janvier, Alain Chamfort a révélé que son prochain album serait le dernier de sa carrière. J'ai l'impression d'avoir conclu sur ce prochain album un point de vue sur les thématiques qu'on a développées. Une forme de bilan sur différentes choses, je suis arrivé à un âge où mon point de vue est fait, a-t-il expliqué au journaliste Steven Bellery. Le chanteur a notamment évoqué les changements qu'a connu l'industrie de la musique ces dernières années. La période des albums est peut-être un peu passée, à mon avis. Les gens n'écoutent plus forcément 12 chansons de suite, ils n'ont plus forcément le temps. Indépendamment de ça, j'ai l'impression d'avoir conclu sur ce prochain album un point de vue sur les thématiques qu'on a développées, a-t-il continué. C'est pas dicté parce que je suis malade. Sur un parcours artistique, je trouve que c'est joli d'avoir à un moment donné le signal de fin. C'est une intuition, une envie naturelle que j'ai envie de respecter, a ajouté l'ancien compagnon de Lio. Une retraite bien méritée.